Alors, comme je disais, donc le système Android, d'abord, c'est quoi? Android, c'est un OS, c'est un système d'exploitation mobile, open source, pour les appareils mobiles, comme les smartphones, les PDA, les MP3, tablettes, les téléviseurs. Donc, c'est un OS, c'est un système d'exploitation. Alors, au début, il a été conçu par une entreprise qui s'appelait Android Inc. En 2005. C'est-à-dire, son développement remonte à 2005. Donc, il a été conçu d'abord pour des systèmes mobiles d'une manière générale. Et par la suite, il a été racheté par Google. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, système Android donc, a été racheté par Google en 2005. Mais après, c'est Google qui l'a développé. Pour qu'il devienne ce qu'il est maintenant. La plateforme Android, il se compose de quoi en fait? Il se compose de plusieurs couches. D'abord, il y a ce qu'on appelle un noyau, il y a un système d'exploitation qui est basé sur Linux. Donc, c'est-à-dire le système Android, quand vous démarrez Android, vous démarrez d'abord un système d'exploitation Linux. Et ensuite, il y a des bibliothèques graphiques, multimédia, etc. qui sont développées pour le système Android. Ensuite, comme les applications Android, le framework Android, parce que c'est un framework, il est basé sur le langage Java. Ça veut dire il faut utiliser une machine virtuelle Java. Alors, ce qui fait qu'il y a une machine virtuelle Java qui est optimisée pour le système Android. Alors, cette machine virtuelle Java s'appelle la machine virtuelle Java de Dalvik. Dalvik Virtual Machine. Alors, en fait, ce n'est pas la même JVM des applications desktop, parce que la machine virtuelle Java de Dalvik, pour le système Android, il est optimisé, c'est-à-dire il est optimisé pour les appareils mobiles. Et après, il y a le framework Android, lui, qui va permettre d'exécuter vos applications que vous allez développer. Et ce framework Android, donc, il offre un ensemble de fonctionnalités qui permettent de gérer les fenêtres, d'envoyer des appels téléphoniques, la gestion du contenu, tout ce qui est l'utilisation de la caméra. Donc, vous disposez d'un ensemble de fonctionnalités qui permettent d'exploiter donc les fonctionnalités natives du smartphone. Et après, il y a des applications. Donc, forcément, quand vous installez le système Android, alors par défaut, donc vous avez quelques applications comme un navigateur web, des applications de gestion des contacts, calendrier, etc. Alors, si vous voulez voir, donc en quelque sorte, voilà l'architecture. Donc, on va dire que le système Android, il est d'abord basé sur un noyau Linux. Donc, ça, c'est le système. Quand vous démarrez Android, le premier qui démarre, c'est le système d'exploitation Linux. Alors, en fait, bien sûr, vous savez qu'un système d'exploitation, c'est quoi son rôle? Son rôle, c'est de gérer les entrées-sorties, gérer le matériel. Ça veut dire que l'OS, c'est lui qui va gérer les drivers, notamment d'utilisation de la caméra, c'est lui qui va. Qui dispose des drivers de Bluetooth, USB, ça veut dire tous les capteurs généralement que vous avez dans votre téléphone, ils disposent des pilotes, des drivers. Alors forcément, qu'est-ce qui va gérer ces drivers, qu'est-ce qui va les configurer? C'est votre OS. Donc en principe, c'est lui qui va gérer la communication avec tout ce qui est le matériel. Une fois que l'OS est démarré, à un moment donné, vous avez un ensemble de librairies qui sont fournies par le système Android. Donc, il y a des librairies qui peuvent être utilisées, qui sont développées, c'est-à-dire en natif. Comme par exemple SQLite. En fait, SQLite, c'est un système de gestion de bases de données embarquées. Par exemple, si vous voulez créer une base de données, un système de gestion, si vous voulez une base de données dans votre téléphone, dans votre smartphone, vous voulez stocker les données dans votre smartphone sous forme d'une petite base de données, on va dire. Donc, sachez que dans tous les systèmes mobiles, généralement, il y a SQLite. SQLite, c'est assez connu par ce qu'on appelle le système de gestion de base de données embarqué. C'est un petit SGBD, mais qui est dans votre téléphone. Vous pouvez l'utiliser pour stocker des données. Ça, c'est quelque chose que vous aurez l'occasion de voir. Alors, après, donc, il y a des librairies. Alors ensuite, il y a la machine virtuelle Java. Donc, il y a un environnement d'exécution. Alors parce que après, tout ce qui vient par la suite, c'est des applications Java.
C'est pour cela qu'il y a la machine virtuelle Java de Dalvik qui va démarrer. Et après, par la suite, il y a le framework Android. Alors, en fait, le framework Android, lui, il vient par la suite, il vous donne un ensemble de composants qui permettent de gérer donc ce qu'on appelle les activités, gérer les fenêtres, gérer les content providers, gérer la géolocalisation, gérer les sensors, c'est-à-dire les capteurs. Donc ça veut dire que le framework, il vous offre, en fait, le framework, lui, il est développé avec du Java. Donc ça veut dire que, en principe, c'est un framework basé sur le langage Java. Donc ça veut dire que toutes les applications que vous allez créer par la suite, ces applications-là, qui viendront, ben c'est dans ces applications, c'est ici que vous allez développer votre application. Quand vous développez votre application, qu'est-ce qui va l'exécuter? C'est le framework Android. Ça veut dire que c'est le framework Android qui va exécuter votre application. Donc ça veut dire que votre application utilise des fonctionnalités Java qui sont fournies par le framework Android. Qu'est-ce qui exécute le framework Android? La machine virtuelle Java. Et cette machine virtuelle Java, c'est qui va l'exécuter? C'est le système, l'OS Linux. Ça veut dire quand vous démarrez votre smartphone, Android par exemple, vous démarrez Linux, Linux démarre la JVM, qui va démarrer le framework Android, qui va démarrer les applications. Donc ça veut dire que globalement, ça vous devrez le savoir, c'est que quand vous développez une application, vous êtes plutôt donc à ce niveau-là. Donc toutes les applications qu'on va développer, c'est des composants qui vont être gérés par le framework Android. Alors on peut voir ça d'une autre manière. Donc on peut dire que d'une manière générale, quels sont les différents composants qu'on va trouver dans une application Android? Donc vous voyez donc, il y a d'abord le smartphone device, c'est le matériel, votre smartphone ou votre tablette. Quand vous le démarrez, vous avez l'OS qui va démarrer en bas. Ensuite, il y a des librairies natives. Ensuite, il y a la machine virtuelle Java de Dalvik. Et après, une fois que la JVM démarre, il va démarrer le framework Android. Vous voyez, donc le framework, c'est un conteneur. Ça veut dire que toutes les applications qui s'exécutent par la suite, ils sont gérés par le framework Android. Alors maintenant, une application. Mobile Android Application. Donc, une application Android se compose de quoi? Alors, si vous voulez développer une application Android, vous disposez des composants suivants. Il y a quatre types de composants que vous pouvez utiliser. Il y a ce qu'on appelle d'abord les activités. Alors en fait, c'est quoi l'activité? Ben, l'activité, c'est le composant principal d'une application Android. C'est la partie qui s'affiche dans votre application Android. On va dire que une activité, c'est la logique présentation. Ça veut dire que tout ce qui s'affiche, la fenêtre qui s'affiche dans votre application Android, avec son menu, avec les composants, ça c'est ce qu'on appelle une activité. Chaque fenêtre qui s'affiche, c'est ce qu'on appelle une activité. Alors en fait, l'activité respecte un design pattern qui s'appelle MVC, modèle vue contrôleur. Alors en fait, le principe de modèle vue contrôleur, c'est quoi? C'est que généralement, un utilisateur, il va interagir avec ce qu'on appelle des vues. La vue, c'est quoi? C'est ce qui s'affiche. Le view, c'est la partie qui s'affiche de votre activité. Mais quand je clique, par exemple, quand je clique sur un bouton qui se trouve dans la vue, je veux faire un traitement. Et pour faire un traitement, on fait appel à un composant qui s'appelle le contrôleur. En fait, l'activité, il contient une partie qui permet de traiter, d'effectuer les traitements suite à des événements provoqués par l'utilisateur. C'est-à-dire l'utilisateur, il va cliquer, il va faire des événements, il va créer des événements. Les traitements, c'est le contrôleur qui va les gérer. Une fois que le contrôleur fait des traitements, il récupère des résultats. Ces résultats, il va les stocker dans un objet qui s'appelle le modèle. Et par la suite, la vue affiche les données qui se trouvent dans le modèle. Alors ça, c'est juste une organisation qui est très connue par ce qu'on appelle le pattern MVC. Alors pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi MVC, le principe, c'est comme ça, c'est. Alors, le pattern MVC, c'est un peu, vous avez quelque chose comme ça. Donc, vous avez un utilisateur. Alors, je vais m'amuser un petit peu à dessiner des choses.
Alors, j'ai un utilisateur. En fait, l'utilisateur, user, l'utilisateur de l'application, je prends ça. Bon, l'utilisateur, lui, prends une grande taille. Alors, l'utilisateur, lui, qu'est-ce qu'il fait? L'utilisateur, tout ce qu'il voit, c'est la vue. Le V. View. Le V. Alors, c'est quoi la vue? View. C'est-à-dire, l'utilisateur, lui, quand il interagit, tout ce qu'il voit dans l'application, c'est la vue. La vue, c'est la page qui s'affiche. Donc, tout ce qui s'affiche généralement dans une application, c'est ce qu'on appelle une vue. View. Ça peut être une page HTML, ça peut être une fenêtre. Tout ce qui s'affiche, toutes les données qui s'affichent, c'est la vue. Alors, quand un utilisateur clique sur, par exemple, un bouton, ou bien quand il saisit des données, quand il valide une action, la vue fait appel à un composant qui s'appelle le contrôleur, C. Donc l'utilisateur 1, il va interagir avec la vue. La vue, il fait appel au contrôleur. Le contrôleur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les traitements. Mais généralement, pour faire les traitements, il fait appel à une partie de l'application et à une couche de l'application qui s'appelle la couche métier, par exemple. Alors ça, c'est le métier. Alors là, ne me dites pas, c'est quoi ça? Ça ressemble pas à un métier. Il y a un texte ici, mais je fais juste. Alors qu'est-ce qu'il fait? Donc la couche métier, c'est la partie de votre application qui fait les traitements. Donc le contrôleur, il fait appel à la couche métier pour effectuer les traitements, en troisième étape. La couche métier va retourner le résultat. Un résultat, c'est des données qu'on va récupérer parfois à partir de la base de données. Donc il récupère les résultats et quand il récupère les résultats, il va les stocker dans un objet qui s'appelle le modèle M. Donc ça c'est en quatrième étape. Donc c'est-à-dire ces résultats que vous voyez ici, ces résultats, ils sont là. Il va les stocker quelque part dans un objet qui s'appelle le modèle. Ici. Une fois qu'il va stocker les résultats dans le modèle, mais qu'est-ce qui reste? Afficher les résultats. Mais pour afficher les résultats, donc le contrôleur va encore faire appel à la vue pour lui demander d'afficher les résultats. Et la vue, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers le modèle, il récupère les résultats et il les affiche. Alors, si bien, c'est ce qu'on appelle c'est un design pattern, ce qu'on appelle MVC. MVC. Alors ça, pratiquement quand vous allez développer des applications web, mobile, desktop, généralement ça c'est un design pattern qui est assez connu. En tout cas, bon, une activité, généralement la même chose. Donc les composants de l'activité, il utilise l'organisation modèle view controller. Donc quand un utilisateur, généralement un utilisateur, il interagit avec l'activité. Donc c'est la logique présentation de votre application. Mais parfois, votre activité pour faire des traitements de fond, il y a d'autres composants qu'il peut utiliser. Alors, quels sont les composants? Il y a ce qu'on appelle les services. En fait, les services, c'est quoi? Les services, c'est des composants Android qui permettent de faire ce qu'on appelle des traitements de fond. Je n'ai pas les traitements de fond. Ça veut dire qu'un service, c'est un composant qui fait des traitements derrière, mais sans afficher quoi que ce soit. Ça veut dire un service n'a pas forcément une interface web, une interface graphique. Par exemple, je peux créer un service qui permet d'attendre un appel téléphonique. Et quand je reçois le service, quand il détecte qu'il y a un appel téléphonique, il va regarder dans, par exemple, une blacklist. Si le numéro de téléphone fait partie du blacklist, il rejette. Alors d'ailleurs, c'est ce que vous appelez, vous, la liste des rejets. Parce que quand vous configurez la liste des rejets dans votre smartphone, c'est que vous utilisez une application pour définir la liste des rejets. Ça, c'est une activité. Parce que tout ce qui s'affiche, c'est l'activité. Mais derrière, qu'est-ce qui fonctionne? Il y a un service qui va tourner en fond, sous forme d'un service qui tourne en continu. Et lui, à chaque fois que, par exemple, qu'il y a un appel, eh bien, il va regarder
tout simplement est-ce qu'il va rejeter l'appel ou pas. Donc un service, généralement, il est fait pour effectuer ce qu'on appelle des traitements de fond. Et forcément, c'est des traitements qui n'ont pas forcément une interface graphique. Mais si vous voulez avoir une interface graphique d'un service, il faut passer via une activité. Donc tout ce qui est affichage, c'est l'activité. Alors également, il y a un autre type de composants, c'est ce qu'on appelle les récepteurs de diffusion, ce qu'on appelle les broadcast receivers. En fait, les broadcast receivers, c'est quoi? C'est des composants Android qui permettent de gérer la communication entre les différents composants du système Android. Ça veut dire quoi? Nous allons voir qu'une application Android se compose de plusieurs composants. Mais pour qu'un composant puisse faire appel à un autre composant, il a besoin d'envoyer un message. C'est-à-dire la communication entre les composants d'Android se fait via ce qu'on appelle un système de messagerie. Un composant envoie un message vers un autre composant. Alors pour cela, vous aurez l'occasion de voir ce qu'on appelle, on va utiliser ce qu'on appelle des objets de type intent. Alors intent, c'est quoi? C'est tout simplement un message. Alors par exemple, vous êtes dans une activité 1, vous cliquez sur un bouton et vous voulez demander à une autre activité de démarrer. À partir d'une activité, vous voulez démarrer une autre activité. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Ben, il vous faut envoyer un intent, un message à l'autre activité pour lui dire de démarrer. Donc le système Android, il est basé sur un système de messagerie. C'est-à-dire les composants, ils communiquent entre eux sous forme de messages via ce qu'on appelle les broadcast receivers. Donc voilà. Bon, ça, juste la définition globale, mais après on va voir le détail. Alors le quatrième type de composants, c'est ce qu'on appelle les content providers. Alors les content providers permettent notamment, c'est des composants Android qui permettent d'accéder au contenu c'est-à-dire d'un appareil mobile. Par exemple, vous voulez consulter les contacts, la liste des contacts, l'agenda. Les photos, globalement, il y a des types de composants qui sont faits pour gérer le contenu, c'est-à-dire accéder au contenu c'est-à-dire le système de fichiers, accéder à tout ce qui est fourni dans votre appareil mobile. Alors voilà, ça c'est l'architecture d'une application Android. Alors maintenant, je vais passer alors pour l'activité. C'est quoi une activité? Comment créer une activité? Alors tout ça. Mais avant de passer à ce niveau-là, j'aimerais bien savoir si vous avez compris cette partie-là. Alors si sinon, vous me posez des questions. Je reviens vers vous. Est-ce que c'est clair, messieurs? C'est clair? Oui. Alors bien sûr, s'il y a une question, vous me posez la question. Fatima Mstour, oui. Selma, oui. Hiba, oui. Mariam, oui. Zuhir, oui. Ali. Oui. Question. Y a une question? Oui, Yacine. Question. Pour les services, est-ce qu'elle reste toujours active même si l'activité est fermée? Oui, parfois, vous pouvez même, c'est-à-dire, vous pouvez fermer l'activité et le service, il tombe en fond. Alors, c'est ce que se passe, c'est juste dire que vous pouvez créer une application mobile qui n'a pas d'activité. C'est-à-dire, il n'a pas d'interface graphique. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez créer? Vous allez créer un service. Donc, quand vous démarrez votre application, il démarre le service, c'est tout. Et le service va tourner en fond et il fait des choses. Alors, vous savez, il y a des applications comme ça, n'est-ce pas? Par exemple, les applications d'espionnage. Bah, les applications d'espionnage, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, parce qu'une application, si vous voulez espionner je sais pas, un smartphone, ça veut dire qu'il faut démarrer une application mais qui n'a pas d'interface. Parce que s'il y a une interface, ça sert à rien, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire que l'application, elle démarre en fond, en arrière-plan. C'est clair? Yannick, ta question, je comprends ta question. C'est-à-dire, je peux bien développer une application Android qui contient uniquement un service sans passer par l'activité. Alors ça, c'est possible. Une application qui démarre que des services. D'après Mais pour la configurer les services, ben, il vous faut des activités. HNA configurer les services, c'est-à-dire il te faut une interface dans laquelle
Tu peux spécifier les paramètres de configuration, tu peux l'arrêter, le démarrer, etc. Donc, souvent, vous avez besoin d'une activité. Oui? C'est quoi ta question, Yacine? D'après l'exemple que vous avez dit, comme lorsqu'on reçoit une appel, donc un service, elle reste en écoute. Oui. Donc même si l'application est fermée, donc le service est là toujours en mode d'exécution. Non, en fait, tout dépend de l'application. C'est-à-dire, tu peux faire ce que tu veux. C'est-à-dire, je peux quitter l'application. En fait, parce que si tu démarres, si tu quittes l'application, tous les composants de l'application vont s'arrêter. On est bien d'accord. Il y a une différence entre quitter et fermer. Je peux fermer une activité, c'est-à-dire l'interface, il n'est plus affichée. Mais l'application tourne toujours. Ça veut dire le service, il va continuer à tourner. Tu vois? Oui. Mais si je quitte l'application, alors c'est normal, le service lui-même, il va s'arrêter. C'est clair? D'accord. Ouais. D'autres questions? Oui? J'ai une question. Oui? Si on vient à un service en arrière-plan, ça ne bloque pas l'interface graphique, Non, l'activité actuelle? non. En fait, justement, parce que c'est un peu la, c'est pour cela que les services, en fait, les services à deux, ils sont faits comme ça. C'est des composants c'est des tâches de fond. Alors, c'est exactement comme les systèmes d'exploitation quand vous dites les services, n'est-ce pas? Alors, quand vous dites, je sais pas, par exemple, vous cherchez service, c'est la même chose. Vous allez vers service, comme ça. Et vous voyez, donc, c'est quoi ça? Hadoop, c'est des services, mais c'est des services qui font des tâches de fond. Mais est-ce qu'ils ont une interface graphique? En arrière-plan, exactement. Donc, c'est-à-dire, ils vont pas bloquer ton système, ton application. C'est à peu près ça. C'est en parallèle. Exactement. Ils sont Ils sont exécutés. en parallèle avec l'interface graphique. Exactement. Ouais. D'autres Merci. questions? D'autres questions? Ok. Alors, je vais passer à la suite. Alors maintenant, un peu de Java. Voilà. Alors, c'est quoi une activité? Alors, une activité, pour développer une activité, vous avez juste besoin de créer une classe Java. Une classe Java, par exemple, qui s'appelle MyActivity, qui hérite d'une classe qui est fournie par le framework Android qui s'appelle Activity. Alors, ça, c'est la règle générale. Donc, une activité, c'est une classe qui hérite d'une classe activité. Alors, on peut également hériter d'une classe qui hérite elle-même de activité, parce qu'après, on va voir dans Android, il y a d'autres classes, par exemple App Compact Activité, qui héritent déjà de activité. Donc, ce qui fait que si vous voulez créer une activité, vous avez besoin de créer une classe qui hérite de la classe activité, ou bien qui hérite de l'une des classes qui hérite déjà de l'activité. Donc ça c'est juste à savoir. Ça c'est la première des choses. Deuxièmement, une fois que vous héritez de la classe activité, vous avez besoin de redéfinir des méthodes. Alors vous savez, quand vous héritez d'une classe, vous avez le droit de redéfinir des méthodes. Alors parmi les méthodes, ces méthodes-là, c'est des méthodes qui font partie de ce qu'on appelle du cycle de vie d'une activité. Maintenant, les méthodes. Il y a d'abord la méthode onCreate, onStart, onResume, onPause, onStop, onDestroy, onSave Instant State. Il y en a d'autres. Je ne vais pas représenter ici. Donc, à quoi servent les méthodes? Alors, si vous voulez voir, c'est-à-dire l'intérêt de ces méthodes-là, nous allons juste voir ce qu'on appelle le cycle de vie d'une activité. Alors, ce que vous voyez là à droite, ici, bon, c'est un diagramme d'activité qui montre le cycle de vie d'une activité Android. Alors, comment ça marche? Alors, quand vous démarrez une activité, le système Android, il fait automatiquement la première méthode qui est appelée, ça s'appelle onCreate. C'est-à-dire, dès que votre activité démarre, la première méthode qui s'exécute,
C'est la méthode onCreate. Alors, généralement, la méthode onCreate, c'est une méthode dans laquelle on va afficher la vue de l'activité. On va afficher l'interface. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on va le faire. Donc, la méthode onCreate s'exécute. C'est la première. Ensuite, Android, il va appeler la méthode onStart. Ensuite, il va appeler la méthode onResume. Ça signifie quoi? Ça signifie que si dans votre activité, vous avez la méthode onCreate, onStart, onResume, sachez que dès que vous démarrez votre activité, votre application qui utilise cette activité, le système Android, il va appeler onCreate, ensuite onStart, onResume. C'est-à-dire les trois méthodes vont s'exécuter dans l'ordre. Une fois que onCreate se termine, il fait appel à onStart. Une fois que onStart se termine, il fait appel à onResume. Alors ça, le système Android le fait. C'est le framework qui fait ça. Donc c'est pas à vous de faire appel à ces méthodes. Dès que vous démarrez l'activité, onCreate, il est appelé ensuite onStart, onResume. Pourquoi? Alors vous allez vous demander pourquoi ces trois méthodes. En réalité, dans la majorité des cas, dans une activité, on a besoin de redéfinir que la méthode onCreate, dans la majorité des cas. C'est-à-dire, la méthode onCreate, elle est suffisante pour développer votre application. C'est-à-dire, vous n'aurez pas besoin souvent de la méthode onStart, ni resume, et tout ça. Vous n'aurez pas besoin de le définir dans votre activité. Mais à quoi ils servent ces méthodes? Alors, regardez bien. Donc, si le système démarre, il appelle onCreate, ensuite onStart, ensuite onResume. Maintenant, une fois qu'il exécute en résume, votre activité, elle est dans un état d'exécution. C'est-à-dire, votre activité, elle est en état d'exécution. C'est-à-dire, votre activité s'exécute. Alors maintenant, vous savez que dans un système Android, vous démarrez une application Android, vous l'utilisez, mais à un moment donné, vous appelez une autre application. C'est-à-dire, vous démarrez une autre application sans quitter l'autre application. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ce qui se passe, c'est que vous démarrez une activité qui passe en premier plan. Alors, ça veut dire que votre activité, il est invisible. Il est toujours démarré, mais il est en arrière-plan. Alors maintenant, dès que votre activité passe en arrière-plan, le système Android, il va appeler la méthode onPause. Donc, la méthode onPause, c'est une méthode qui s'exécute à chaque fois que votre activité passe en arrière-plan. Alors, quand il passe en arrière-plan, si votre activité reste en arrière-plan pendant une longue durée, ça veut dire que pour lui, Android, quand il voit qu'il y a une activité qui reste en arrière-plan pour une longue durée, donc ça veut dire que pour lui, c'est une activité qui consomme de la mémoire sans peut-être l'utilisateur n'a plus besoin de cette activité. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait le système Android? Il appelle la méthode onStop. Vous voyez, donc la méthode onStop s'exécute. Donc, vous voyez donc la méthode onStop, c'est une méthode qui s'exécute quand est-ce que, quand votre activité reste en arrière-plan et que pendant une longue durée, donc il ne fait rien. Donc, automatiquement, donc Android, il va en quelque sorte appeler la méthode onStop. Alors, quand quand la méthode onStop s'exécute, qu'est-ce qu'il fait le système Android? Ben, tout simplement, de toute façon, ça veut dire que c'est une manière de dire que votre application, maintenant, il est stoppé. Mais il n'est pas encore détruite. C'est-à-dire que votre application, il est toujours dans la mémoire. Alors, si l'utilisateur décide de faire passer l'activité en premier plan, dès que l'activité, vous avez cliqué, vous la faites passer en premier plan, alors qu'est-ce qu'il fait le système Android? À nouveau, il appelle la méthode onRestart. Donc, vous voyez, donc, la méthode onRestart va s'exécuter. Et la méthode onRestart, une fois que onRestart s'exécute, il appelle la méthode onStart, onResume. Et votre activité devient à nouveau l'activité qui est en premier plan, c'est-à-dire en état d'exécution. Vous travaillez votre activité, quand il passe en arrière-plan, onResume va s'exécuter, onPause va s'exécuter. S'il reste en arrière-plan pendant une longue durée, la méthode onStop va s'exécuter. Et si votre application revient à nouveau en premier plan,
Donc la méthode on restart, on start va s'exécuter et ça tourne comme ça. Maintenant, supposons que quand vous êtes dans l'état on stop, parce que quand votre activité est dans l'état on stop, il y a deux scénarios. Soit, si votre activité passe en premier plan, il repasse sur on restart, on start. Mais par contre, si encore votre application reste dans l'état on stop pendant une longue durée, le système Android, qu'est-ce qu'il fait? Pour lui, l'application ne sert plus à rien. C'est-à-dire, cette application, il consomme de la mémoire. Donc, il va falloir libérer l'espace mémoire occupé par cette application. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va tuer le processus. C'est-à-dire, le processus de l'activité, il va le tuer. C'est-à-dire, il va arrêter l'application. Parce que c'est pour éviter qu'il consomme juste de la mémoire et des ressources pour rien. Mais quand il tue le processus, il y a quelque chose de très important qu'il va faire. C'est qu'il va prendre l'état de l'activité. Maintenant, l'état de l'activité, c'est-à-dire les données, toutes les données utilisées par l'activité. Supposons que vous avez lancé votre activité, vous avez saisi des données, vous avez fait des choses. Et après, vous décidez, c'est ce que vous faites souvent, vous lancez par exemple une application WhatsApp, vous l'utilisez avec, il est dans un état X, avec des données, etc. À un moment donné, vous utilisez l'application, par exemple, je sais pas, par exemple YouTube, vous regardez des vidéos, donc votre activité WhatsApp, elle passe en arrière-plan. S'il reste en arrière-plan pendant une longue durée, il passe dans l'état stop, il la marque quand il est stoppé. Une fois qu'il reste stoppé pendant encore une longue durée, qu'est-ce qu'il fait? Il va la détruire. Mais avant de la détruire, il va enregistrer l'état. Donc l'état de l'activité, il va l'enregistrer dans un fichier pour ne pas perdre les données de l'activité. Donc il les enregistre dans un fichier. C'est ce qu'on appelle le bundle. Donc l'état de l'activité, il est enregistré dans le bundle. Et votre activité attend. Si par exemple l'utilisateur veut démarrer l'activité à nouveau, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Bon, cette fois-ci, il va recommencer à partir d'un home create. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez relancer l'application, ça va commencer à partir de home create. Mais la méthode home create, c'est la raison pour laquelle la méthode home create, il va lui passer quoi? Le système Android va lui passer l'état qui a été enregistré dans le fichier. Alors, c'est la raison pour laquelle vous voyez ici la méthode home create, que vous voyez là. La méthode home create, il reçoit un paramètre de type bundle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, supposons que votre activité démarre, elle reste en état stop pendant une longue durée, qu'est-ce qu'il fait le système Android? Il va prendre l'état de l'activité, il va l'enregistrer dans un fichier sous forme d'un objet de type bundle. Il va l'enregistrer. Mais dès qu'il va redémarrer l'activité, quand il va réactiver l'activité, qu'est-ce qu'il fait? La méthode onCreate s'exécute et la méthode onCreate, il va lui transmettre ce bundle, c'est-à-dire ce fichier-là qui contient l'état. Ben, et du coup, donc, qu'est-ce qu'il fait l'activité? Il va restaurer l'état. Ça veut dire que vous allez retrouver l'état de l'activité tel qu'il était avant. C'est juste pour libérer l'espace mémoire. Mais par contre, si vous voulez quitter carrément l'activité, avant que l'activité soit détruite complètement, il fait appel à la méthode on destroy et après l'activité, elle est arrêtée. Alors, ce diagramme d'activité que vous voyez là, il est très important. C'est lui qui explique ce qu'on appelle le cycle de vie d'une activité. Alors, vous avez un petit peu les détails ici, donc chaque étape, c'est-à-dire à quoi sert. Mais ce que vous voyez ici, d'une manière générale, dans la majorité des cas, si vous créez une activité, vous avez juste besoin de créer une classe qui hérite de la classe activité et vous redéfinissez la méthode onCreate. C'est tout. C'est-à-dire que le code que vous écrivez se trouve dans la méthode onCreate. Ça veut dire que les méthodes onStart, onResume, c'est des méthodes que vous héritez de activité. Donc, si vous souhaitez faire des traitements au moment où, par exemple, l'état onStart, c'est-à-dire au moment de l'appel de onStart, vous pouvez l'ajouter ici. Vous voulez par exemple faire des traitements au moment où le système Android fait appel à onResume, vous pouvez le faire là. Donc, tout dépend des applications. Alors parfois, il y a des applications dans lesquelles on va écrire du code dans onCreate, il y a une partie du code dans onStart, il y a une partie du code dans onResume.
une autre partie en pause, etc. L'essentiel, c'est pour cela que je vous disais, donc, le diagramme d'activité là. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle le cycle de vie d'une activité. Et quand vous démarrez une application Android, c'est le système Android qui va la gérer. Comment il va la gérer? Bah, automatiquement, il fait appel à ces méthodes-là en fonction des cas. Alors maintenant, on va passer aux outils. Mais avant de passer aux outils, est-ce qu'il y a une question concernant le cycle de vie d'une activité? Messieurs. Question? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? J'aimerais bien voir un noté. Sinon, je vais aller prendre mon deuxième café. Très clair, 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 clair. OK. OK. Donc, on ne peut pas utiliser le multitâche. Alors, qui a posé la question? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser le multitâche? Brahim. Alors, Brahim, en fait, le multitâche, il est présent. C'est-à-dire quoi pour toi le multitâche? Parce que le multitâche, il est présent dans toutes les applications. C'est-à-dire que quand vous démarrez une application, il peut le fait de lancer plusieurs services en même temps, c'est du multitâche. C'est-à-dire que vous pouvez lancer plusieurs activités, plusieurs tâches en parallèle. Multi-fenêtre, non, en fait, multi-fenêtre, ah, j'ai compris. C'est-à-dire, non, généralement, si vous regardez toutes les applications mobiles, vous avez une application mobile se compose de plusieurs écrans, plusieurs fenêtres. Donc, chaque fenêtre qui s'affiche, c'est une activité. Quand vous passez vers un autre écran, c'est une autre activité. Donc, en fin de compte, on peut naviguer dans plusieurs activités dans la même application. OK? Mais la même chose, une autre application peut passer en premier plan par rapport à une autre application. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais le multitâche, il est présent. Merci. Alors, maintenant, on va passer à la partie pratique. Parce que maintenant, tout ça, c'est des concepts, c'est très important parce que tout ce que je viens de vous dire, donc, il est enregistré dans la vidéo. Vous pouvez réécouter ces vidéos-là plusieurs fois si vous voulez, maîtriser un peu ces concepts. Maintenant, les outils. Alors, les outils à installer pour travailler avec le système Android. Alors, si vous voulez travailler avec vous voulez développer une application Android. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait installer dans votre machine? Alors, vous avez besoin d'abord du kit de développement Java, le JDK. Alors, de préférence, d'installer Java 8. Vous pouvez utiliser Java 11, 12, 13, mais comme je disais, donc, si vous voulez éviter les problèmes, installez le JDK 8 dans votre machine. C'est largement suffisant. Alors voilà donc le site de Oracle où vous pouvez télécharger donc Java 8. Le deuxième, il vous faut le SDK Android. C'est quoi le SDK Android? C'est le kit de développement Android. C'est-à-dire l'ensemble des outils qui permettent de compiler, enfin, c'est le framework Android, c'est les outils de Android, ils sont groupés dans un package qui s'appelle le SDK. Le Standard Development Kit, le kit de développement standard Android. Donc vous voyez, donc il y a Java qu'il faut installer, et après il y a le SDK Android, le kit de développement Android. Alors ensuite, il vous faut maintenant les DE, l'environnement de développement. Alors vous installez Android Studio. Alors vous pouvez utiliser d'autres techniques. À l'époque, on utilisait Eclipse, il y a longtemps. Parce qu'il y a un plugin dans Eclipse qui s'appelle Android Toolkit Developer, ADK. Mais ce plugin n'existe, en fait, n'est plus maintenu, donc ça veut dire qu'il n'est plus utilisé depuis que Android Studio a été créé. Alors, en fait, Android Studio, c'est un environnement de développement qui est fait pour développer des applications Android.
Mais Android Studio, il est basé sur un IDE qui s'appelle IntelliJ. En fait, vous savez, pour développer des applications Java, vous pouvez utiliser Eclipse comme vous pouvez utiliser IntelliJ. Donc, en fait, IntelliJ, Android Studio, c'est IntelliJ, c'est-à-dire c'est l'environnement IntelliJ, mais avec un plugin pour développer des applications Android. Donc, si vous voulez, pour le moment, vous avez besoin d'installer uniquement Android Studio. Alors, vous installez le GDK. Une fois que vous installez le GDK, vous installez directement Android Studio sans installer le kit de développement Android. Vous pouvez installer Android Studio. Dès que vous lancez Android Studio, il va découvrir que le SDK Android n'existe pas. Automatiquement, il va le télécharger. Donc, ça veut dire Android Studio. Quand il trouve que le SDK Android n'existe pas dans votre machine, il va vous demander de le télécharger et de l'installer. Donc le moyen le plus simple pour vous, c'est quoi? Une fois que vous installez le GDK, d'ailleurs je crois que vous l'avez déjà dans votre machine, ben vous installez donc Android Studio, vous le lancez et après, il s'en va. Alors ça, c'est les outils. Alors maintenant, quand vous installez le SDK Android, en fait, vous disposez d'un outil qui s'appelle le SDK Manager. En fait, SDK Manager, quoi? C'est un outil qui est fourni par le SDK Android et qui vous permet de voir quelles sont les différentes versions des API installées dans votre système Android. Alors, ça veut dire que vous savez que dans le système Android, il y a plusieurs versions. Il y a depuis la version 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., 6, 7. Il y a plusieurs API, il y a plusieurs versions. Alors ça, c'est important. Quand vous lancez SDK Manager, ben, il vous montre ici une fenêtre dans laquelle vous pouvez voir quels sont ce qui est coché. Ça veut dire que par exemple ici, j'ai Android l'API version 27 qui est installée. La version 28 n'est pas installée, etc. Donc c'est-à-dire, supposons vous tombez dans une application où, par exemple, il exige d'utiliser la version, par exemple, 28, l'API 28 de Android. Donc, il faut juste lancer SDK Manager et vous allez vers l'API 28, vous la cochez et après, il sera téléchargé et installé. Donc, en quelque sorte, le SDK Manager, donc c'est un outil qui est fourni par le SDK Android qui vous permet d'installer les différentes versions des API Android. Alors, vous voyez donc, vous avez de la version 7 jusqu'à la version aujourd'hui 29. Bon, ça c'est 28, mais vous pouvez utiliser la. Alors, pour vous, donc, en principe, quand vous installez votre SDK Android, d'ailleurs, il va vous installer les dernières API jusqu'à l'API 29. Ça convient, donc il n'y a pas de problème. Alors, ensuite, une fois que quand vous développez des applications Android, vous avez besoin de les tester. Vous voulez exécuter votre application Android. Alors, pour exécuter une application Android, vous avez deux façons de faire. Soit vous branchez votre téléphone. Voilà. Donc, soit vous prenez votre téléphone, vous mettez le câble USB, vous le branchez à votre téléphone. Et après, quand vous exécutez, vous allez voir votre application sur le smartphone. Alors, ça, c'est une technique. Mais dans la majorité des cas, on n'a pas besoin d'utiliser un vrai téléphone. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle les émulateurs Android. Alors, en fait, il y a un outil qui est fourni dans le SDK Android qui s'appelle Android Virtual Device. Android Virtual Device, c'est quoi? L'AVD. En fait, Android Virtual Device, d'ailleurs, comme vous remarquez, quand vous lancez Android Studio, bon, ça c'est bien ça, Android Studio si vous voulez. Alors, dans Android Studio, il y a dans Tools, vous voyez donc les deux, donc vous avez SDK Manager. Alors, si je le lance, vous voyez donc il m'affiche. Quelles sont les versions qui sont installées? Vous voyez donc j'ai ici la version l'API 29 qui est installée. Supposons que je voudrais installer l'API 28 pour une raison ou une autre, donc je peux la cocher. Et quand je la coche, OK, hop, il va la mettre à jour, etc. Donc je ne vais pas faire ça. Ça c'est d'un côté. De l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle Android Virtual Device. Alors en fait, Android Virtual Device, il permet de créer un émulateur. C'est-à-dire un émulateur de votre téléphone Android. Alors ici, dans Android Studio, vous avez Tools.
AVD Manager, Android Virtual Device. Et après, ici, donc, je vais dire, voilà, je veux tester mon application dans un système Android. Là, vous pouvez choisir, donc, vous n'allez rien payer, parce que d'habitude, alors vous dites, je vais utiliser je sais pas, un Galaxy Nexus, ou c'est des modèles de téléphone virtuel. Alors, je prends par exemple le modèle Pixel, tout simplement, ça c'est rapide, ok. Je prends un modèle quelconque, je vais. Alors, Pixel, ok, next. Alors, parfois, si vous installez, vous choisissez un émulateur la première fois, il vous demande de le télécharger. Alors, parfois, le téléchargement peut prendre un peu de temps. Alors, c'est pour cela qu'une fois que vous le créez, vous allez avoir votre émulateur et vous dites tout simplement Start. Alors, si vous démarrez l'émulateur, en fait, l'émulateur ici, donc, voilà, est en train de. Alors, en fait, l'émulateur, en fait, c'est quoi? C'est juste une application. Alors, je devrais relancer mon système Android pour démarrer l'émulateur. Je crois qu'il est déjà démarré. Il est là. Voilà. Cela, il m'a affiché le message. Alors, vous voyez ici, donc, c'est quoi ça? C'est tout simplement, c'est un émulateur Android. Alors, vous avez, c'est presque un téléphone Android dans lequel vous avez les navigateurs. Vous pouvez faire tout ce que vous faites dans votre téléphone sauf appeler. Et voilà, donc c'est-à-dire, mais toutes les applications Android, au lieu de les tester dans un vrai téléphone, d'un vrai device, vous pouvez tester ça dans des émulateurs. Donc je vais vous montrer tout à l'heure dans la démonstration vidéo comment le faire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Android Virtual Device. Alors maintenant, tout ça, vous avez dans Tools, AVD Manager, voilà comment créer l'émulateur. Bon, tout ça, c'est les procédures, vous les avez dans la vidéo. Donc, je spécifie le nom du device et après, je peux le créer, je le démarre, etc. Alors maintenant, dans une application Android, qu'est-ce que vous avez? Alors, en fait, un projet Android, il est basé, c'est un projet qui est basé sur un outil qui s'appelle Gradle. Alors, pour ceux qui ont déjà développé des applications Java, donc sûrement, ils ont déjà entendu parler de Maven. Alors Maven ou bien Gradle, c'est quoi en fait? C'est des outils qui permettent d'automatiser le oui? De chercher les bibliothèques. Exact. Alors Maven et Gradle, c'est des outils qui permettent d'automatiser le processus de construction de logiciels. Ça veut dire quoi? Quand vous créez un projet Android, par défaut, il utilise Gradle. Donc ça veut dire que c'est Gradle qui va compiler le code source, c'est lui qui va générer l'application, c'est lui qui va l'installer dans l'émulateur. Donc, c'est-à-dire que toutes les opérations de gestion, des opérations de construction de votre logiciel, de votre application mobile, c'est Gradle qui va le faire. Donc, Gradle, même si vous avez besoin d'une librairie, c'est Gradle qui va se connecter à Internet pour télécharger la librairie et l'ajouter à votre projet. Donc, alors dans les applications Java généralement, on utilise soit Maven, soit Gradle. Alors pour les applications Android, c'est plutôt Gradle qui est utilisé. Alors comme je disais, donc l'automatisation du processus de construction du projet inclut la compilation, les tests, exécuter les tests, générer l'application, l'APK. Vous allez voir si c'est l'exécutable de votre application mobile. Exécuter l'application dans l'émulateur. Alors toutes ces opérations-là, elles vont être gérées par Gradle. Alors donc en fait un projet Gradle, d'une manière générale, c'est-à-dire un projet Android Studio, c'est un projet qui dispose d'un fichier qui s'appelle. Alors donc un projet Gradle contient un fichier qui s'appelle build.gradle. D'ailleurs vous allez voir dans votre projet Android Studio, vous allez trouver un fichier qui s'appelle build.gradle. Alors faites ce fichier-là build.gradle. C'est un fichier dans lequel on va déclarer un certain nombre de choses. Je nomme les choses. Il y a d'abord les dépendances du projet. Par exemple, si vous voulez utiliser une nouvelle librairie, vous voulez ajouter une nouvelle librairie à votre application, on peut la déclarer dans build.gradle. Après, vous allez voir comment le faire. Par exemple, les versions. Vous vous rappelez tout à l'heure, vous dites je veux utiliser l'API minimum c'est 18 ou bien 22. Vous spécifiez la version d'Android que vous voulez utiliser.
Tout ça, on le spécifie dans build.grad, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses selon que vous avez besoin de déclarer dans ce fichier-là build.grad. Alors, pour le moment, dans un premier temps, ce fichier-là, vous n'avez pas besoin de le toucher. Vous créez un projet, donc vous n'avez pas besoin d'ajouter quoi que ce soit dans le fichier build.gradle pour créer votre application mobile. Mais au fur et à mesure que vous avancez, quand vous allez arriver à des fonctionnalités avancées dans votre développement mobile, vous allez vous rendre compte que parfois, il y a des librairies que vous devrez ajouter dans ce genre dans le fichier build.gradle. Ça, c'est quelque chose que vous allez voir. Ça, c'est d'abord la structure. Alors maintenant, dans un projet Android, alors qu'est-ce que nous avons dit? Une application Android, c'est une application qui contient une activité. C'est-à-dire, si vous voulez avoir une interface graphique, donc il y a une activité. Et du moment que nous, quand on a créé le projet, on a utilisé une activité qui a été créée. D'ailleurs, vous allez voir dans le projet que je viens de créer ici, dans Android Studio. Vous voyez donc, vous allez trouver dans le projet, il y a une classe Java qui s'appelle MainActivité. Alors, vous voyez donc l'activité. Une activité, c'est quoi? Nous avons dit qu'une activité, c'est une classe qui hérite de la classe activité. Mais ici, vous voyez que par défaut, il hérite d'une classe qui s'appelle App Compact Activity. Ça veut dire que si vous cherchez App Compact Activity elle-même, c'est une classe qui hérite de activité. Et dans laquelle il va redéfinir la méthode onCreate que je viens de vous montrer. Alors, dans la méthode onCreate, vous allez trouver toujours ça. Super.onCreate. Donc, je vous rappelle que dans Java, super.onCreate, ça veut dire que vous appelez la méthode onCreate de la classe parente, de la classe Activity. Alors, je vous rappelle que la méthode onCreate, il reçoit le paramètre bundle, qu'il appelle d'ailleurs saved instance. Alors, qu'est-ce qui peut me rappeler à quoi sert le paramètre bundle? Juste pour voir si vous avez retenu ce qu'on a dit tout à l'heure. Le paramètre bundle de la méthode create, à quoi il sert? Alors, si vous rappelez tout à l'heure, c'est le fichier, voilà, charger le fichier. L'état initial de la tâche, oui. À peu près, si je combine ces deux réponses, il y a une partie de la réponse. Alors, donc, je disais tout à l'heure, une activité. Quand il passe en arrière-plan, quand il reste beaucoup de temps en arrière-plan sans être utilisé, le système Android, il la prend, il va sauvegarder l'activité dans un fichier, son état. Quand il sauvegarde dans un fichier, il va le sauvegarder dans un fichier de type bundle. Et après, il détruit l'activité. Mais après, quand vous cliquez sur un bouton qui fait appel à cette activité-là, il va redémarrer cette activité, mais l'état de l'activité, il va le chercher à partir du fichier. C'est-à-dire, avec la méthode onCreate que vous voyez là, la méthode onCreate, comme vous voyez ici, c'est une méthode qui reçoit le bundle. C'est-à-dire que si jamais l'état de l'activité a été déjà enregistré préalablement dans un fichier, le système Android, il va le transférer. Comme ça, l'activité, il va restaurer l'état de l'activité. Alors, bref. Alors, dans une application Android, vous aurez toujours ça. Mais après, qu'est-ce qu'il y a? Regardez l'activité. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient une méthode qui s'appelle setContentView. Parce que maintenant, une fois que mon activité démarre, l'activité a besoin d'afficher la vue, c'est-à-dire l'interface. Alors, il se trouve que dans Android, les interfaces, la vue de l'activité, se trouve dans un fichier séparé au format XML. Où est-ce qu'il se trouve ce fichier-là? Alors, si on cherche dans le dossier ressources, layout, on va trouver un fichier qui s'appelle activité-main.xml. Alors, vous voyez donc, comme je disais, donc main activity, c'est l'activité principale de l'application.
Et dans le dossier ressources, vous trouverez Activity Main XML. Alors, c'est quoi Activity Main XML? Celui-là, c'est la vue principale qui est affichée par Main Activité. Alors, ensuite, dans un système Android, vous allez trouver quoi? Alors, vous allez trouver d'autres ressources. Vous trouverez dans le dossier ressources, on va trouver les ressources. Plutôt, il y a d'autres ressources, par exemple String XML. Il contient les valeurs des chaînes de caractères qui vont être affichées par les vues. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Mais le plus important dans tout ça pour le moment, pour ne pas vous compliquer l'apprentissage, le plus important dans tout ça dans un premier temps, c'est ces deux fichiers-là. Main activité et activité main.xml. Alors, main activité, c'est ça, ce que vous voyez là. Main activité, regardez, c'est une classe qui hérite de la classe activité. L'activité, quand il démarre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Set content view. C'est-à-dire, on va afficher une vue. Alors, cette vue-là s'appelle activité main. En fait, c'est quoi activity main? Activity main, c'est ce fichier-là, activity main XML. Mais on va voir tout à l'heure que pour accéder à activity main XML, pour accéder à des ressources dans une application Android, on utilise une classe ressource qui s'appelle R, c'est-à-dire ressource. Donc je vais chercher une ressource qui se trouve dans quelle catégorie? Layout. Parce que vous allez voir dans notre système ici, système de fichiers. Ici. Vous voyez donc, dans les ressources, vous avez layout. Et à l'intérieur de layout, vous avez activité main. Donc je fais r.layout.activityMain, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait donc le système Android, il va afficher cette vue. Alors vous voyez donc ActivityMain XML, c'est ce que vous voyez ici. Alors en fait, d'habitude vous utilisez du HTML pour tout ce qui est la partie logique présentation. Avec Android, donc les vues peuvent être implémentées en utilisant du code XML. Alors comme vous voyez ici, qu'est-ce que vous trouverez, ce que vous allez retenir dans tout ça ici? C'est que vous voulez créer par exemple un text view, c'est-à-dire une zone de texte, enfin un texte, un label si vous voulez. On va utiliser donc text view. Et après, on peut mettre par exemple le contenu texte égal Hello World. Alors si vous démarrez cette application-là, vous allez voir finalement votre application, il va vous afficher tout simplement dans votre application, vous trouverez un simple message Hello World qui va être créé. Voyez donc. Quand je démarre une application Android, main activité démarre, onCreate s'exécute, et dans onCreate, j'affiche une vue qui s'appelle Activity Main XML, dans laquelle vous avez ici un texte view, par exemple, Hello World, qui va s'afficher. Mais ce que vous voyez là, comment ça se passe? C'est que quand vous démarrez Android, il y a quelque chose de très important dans une application Android. Dans une application Android, il y a un fichier qui est très important qui s'appelle AndroidManifest.xml. Alors en fait, AndroidManifest.xml, c'est le premier fichier qui va être lu par le système Android au démarrage de l'application. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous démarrez une application Android, le premier fichier qui va lire de l'application, ça s'appelle AndroidManifest.xml. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce fichier-là, AndroidManifest.xml? Vous voyez, il est là. Généralement, vous n'avez pas besoin de le modifier, mais parfois, vous avez besoin d'ajouter un certain nombre de choses. Donc, on va voir des choses que vous pouvez ajouter à ce niveau-là. Alors, dans le fichier Android Manifest, à chaque fois, si vous créez par exemple une nouvelle activité dans votre projet, l'activité doit être déclarée dans ce fichier-là. Chaque activité, chaque composant que vous créez dans votre application Android, il est automatiquement déclaré dans ce fichier Android Manifest. Si vous avez créé des activités, d'ailleurs vous voyez une seule activité maintenant, elle est déclarée déjà, activité, main activité. Et après on va par la suite parler des petits détails donc, concernant la configuration des activités. Si vous avez créé un service, il faut le déclarer ici. Et en plus, dans le système Android Manifest, parfois, vous avez besoin d'ajouter les autorisations. Par exemple,
Si votre application a besoin de se connecter à Internet, il faut aller vers le fichier Android Manifest pour ajouter l'autorisation connexion Internet. Si votre application a besoin d'utiliser la caméra, il faut ajouter dans ce fichier-là, comme quoi vous autorisez l'application, vous demandez l'autorisation d'accéder à la caméra. Alors c'est tout à fait normal. Si vous voulez faire la géolocalisation, il faut aller vers ce fichier pour déclarer comme quoi vous avez besoin d'utiliser la géolocalisation. Alors pourquoi? Parce que quand vous allez vers App Store, Google App Store, vous téléchargez une application. Dès que vous installez l'application, dès que vous l'exécutez, automatiquement, parfois l'application, il vous demande, l'application veut utiliser la caméra. Est-ce que vous l'autorisez? C'est-à-dire qu'aussi pour donner la possibilité à l'utilisateur, au moment de l'installation de l'application, c'est lui-même qui doit décider est-ce qu'il autorise que l'application accède à la caméra, ou bien est-ce que vous voulez qu'elle accède au contact, ou bien est-ce que vous voulez qu'elle accède. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a besoin d'utiliser des fonctionnalités natives dans une application mobile, nous avons besoin de déclarer les autorisations dans ce fichier-là, Android Manifest. C'est un fichier très important. C'est pour cela, ici, dans ce diagramme-là que vous voyez ici, quand vous démarrez une application Android, la première des choses qui va être lue, c'est le fichier Manifest XML. Une fois qu'il va lire le fichier Android Manifest, qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver une activité qui s'appelle Main Activité. Automatiquement, le système Android va instancier. Il va créer une instance de la classe Main Activité. C'est-à-dire, il va instancier cette classe. Et quand il va l'instancier, automatiquement, il va appeler la méthode onCreate. Donc, la méthode onCreate, qu'est-ce qu'il fait? Il va charger le bundle de l'activité state, c'est-à-dire ici la méthode onCreate. Si l'état de l'activité a été déjà enregistré précédemment, donc il va le charger. Et après, on appelle setContentView. Donc, en fait, setContentView, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher le fichier activité-main.xml. Et voilà. Il va le lire. Et le système Android, il trouve qu'il y a TextView. Donc, il va instancier un TextView. Et après, votre vue va s'afficher. Donc, ce qui explique que quand vous démarrez votre application, ce qui s'affiche finalement, c'est que votre activité qui démarre, l'activité affiche la vue. Et votre vue, qu'est-ce qu'il affiche? Il vous affiche TextView. Alors maintenant, si vous voulez afficher autre chose, etc., vous voulez ajouter un bouton, tout ça, on va l'ajouter dans ce fichier XML. Mais juste pour ne pas obliger l'utilisateur à écrire du XML pour les vues, en fait, le Android Studio, il vous donne un éditeur visuel. C'est-à-dire de type WYSIWYG, c'est-à-dire what you see is what you get. Vous dessinez un petit peu les composants et après il vous génère le code XML, mais vous allez voir que c'est pas compliqué de comprendre la structure de ce document XML et parfois même il est plus simple de maîtriser à écrire les vues en passant via XML comme ça que parfois de dessiner visuellement. Parce que parfois vous avez l'impression que le fait de dessiner visuellement, ça peut accélérer parfois la création des vues. Ça peut sembler, oui, c'est vrai dans un certain nombre de choses, mais parfois si vous connaissez la syntaxe XML, c'est comme si je vous parle de HTML. Si vous comprenez HTML, comme quoi c'est basique, c'est très simple, vous pouvez écrire du code HTML. Mais si vous cherchez un outil qui permet de générer du code HTML, il y en a plusieurs, mais finalement, vous allez vous rendre compte qu'il vaudrait mieux connaître la syntaxe HTML que de chercher des outils qui permettent de générer. C'est comme ça que ça marche une application Android. Un administrateur, ce que vous allez retenir pour le moment, c'est que dans une application Android web, quand vous démarrez, quand vous faites run, quand vous exécutez, il y a le framework Android va lire le fichier Android Manifest web. Il y a le fichier. Et quand il va le lire, il va trouver, par exemple, comme quoi il y a activité, comment il s'appelle l'activité de démarrage, main activité. Donc automatiquement, il va instancier l'activité. Et quand il va l'instancier, l'activité, il va charger la vue. Et la vue, c'est quoi? C'est un fichier XML dans lequel on va décrire le contenu de la vue. Alors à partir de là,
Déjà, la première des choses que vous allez faire pour ne pas vous compliquer un peu l'apprentissage, la première des choses, c'est une première application que vous allez essayer de créer. Alors ici, donc, vous voyez ici tout ça, les étapes. Alors une fois, en fait, l'application, donc vous devrez juste savoir que une fois que vous créez une application, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il vous faut l'exécutable de, en fait, un exécutable de votre application mobile, si vous voulez. C'est-à-dire l'application qu'on va installer dans les téléphones. Alors, en fait, une application Android, si vous voulez générer l'application Android, vous avez besoin de générer ce qu'on appelle le APK, APK. Alors, en fait, c'est Android Package Kit. C'est quoi en fait un APK ou en fait une application APK? Normalement, c'est un fichier .zip. C'est un fichier .zip dans lequel vous allez trouver quoi? Vous allez trouver Android Manifest XML, ça c'est le fichier dont je viens de vous parler. Vous trouverez les classes Java de votre application, c'est le bytecode. Sauf que ce n'est pas du fichier .class, c'est pas du bytecode Java classique, mais c'est du bytecode qui est optimisé pour la machine virtuelle Java de Dalvik. Rappelez-vous. Donc c'est des fichiers qui portent l'extension DEX. Ça veut dire quoi? C'est du bytecode, c'est du .class classique Java, mais qui sont encore optimisés pour le système Android. Et après, on va trouver donc les ressources, XML, les images, audio, vidéo, etc. Et s'il y a des nouvelles librairies éventuelles, c'est-à-dire des fichiers .jar, donc on va tout ça, tous ces fichiers-là, ils vont être packagés dans un fichier qui porte l'extension APK. Donc maintenant, si vous voulez générer une application APK, donc on va vers le menu Build. Generate APK. Next, next, vous spécifiez quelques informations. Et après, vous allez voir, après, il va vous générer un fichier qui s'appelle app release.apk. Et si vous regardez sa taille, c'est 1 kilo octet, presque. En fait, 1 kilo octet, c'est une petite application. Maintenant, si vous prenez ce fichier-là.apk, vous le mettez dans votre téléphone et vous l'installez, vous exécutez votre application. Donc, ça, c'est la première des choses que vous allez faire. Une fois que vous faites ça, vous allez passer à un exemple d'application. En fait, il y a deux exemples dans les vidéos que je viens de vous envoyer, qui sont partagées sur Classroom. Vous allez trouver un exemple qui montre voilà, une petite application comme ça, comment créer une application dans laquelle on va saisir un montant. Quand je clique sur le bouton calculer, on va tout simplement calculer, multiplier le montant. On va convertir un montant du dirham de l'euro en dirham en multipliant par 11, par exemple. C'est juste un petit calcul comme ça. Comme ça, vous allez voir le principe de comment gérer les événements et tout ça. Une fois que vous faites ça, ça c'est l'application, la première application. Le deuxième exemple d'application, c'est un petit jeu. Une petite application, une fois qu'elle démarre, elle va générer un nombre aléatoire entre 1 et 100. Et après, l'utilisateur, il va deviner. Bon, deviner le nombre aléatoire. Et à chaque fois que je valide, l'application, il vous affiche une indication. Soit que votre nombre est plus petit que le nombre secret, soit qu'il est plus grand. Et vous tentez plusieurs fois de retrouver le nombre, jusqu'à après, il va vous dire bravo, vous avez gagné. Et ici, on va afficher l'historique, c'est-à-dire toutes les réponses de tous les essais de l'utilisateur. On va les afficher dans ce qu'on appelle un list view. Et en même temps, vous aurez l'occasion de voir comment utiliser ce qu'on appelle un progress bar, c'est-à-dire chaque essai, là, il s'incrémente. Là, je vois le score de l'utilisateur. Bon, une petite application comme ça, vous allez voir, si vous suivez les consignes que vous avez dans la vidéo, donc vous n'aurez pas de problème à la faire. C'est ce que je vous demande de faire, dans un premier temps comme activité pratique. Oui? Une question, Sylvie. Oui. Tout à l'heure, on parlait de la réduction, quand l'utilisateur réduit la fenêtre, par exemple, c'est l'activité qui se met en pause, et au bout d'un certain temps, elle est en stop, et si après un temps déterminé, bien X, on la détruit, Oui. bien, on enregistre le fichier de l'état de l'activité et on détruit Oui. l'activité. Est-ce que pour des raisons de libération de mémoire, tu vois. Exactement, c'est le système Android parce que les smartphones, il n'y a pas de, enfin, les capacités de calcul et de ressources sont limitées, donc il doit gérer ça.
Donc, c'est pour gérer les ressources, c'est pour optimiser la gestion des ressources. Et d'ailleurs, c'est pour cela que vous voyez votre téléphone Android, il est toujours performant, il est toujours rapide. N'est-ce pas? Ouais. Alors, si le système Windows a été créé de la même manière que Android, ce serait parfait, hein. Android, c'est un système qui est très très optimisé. Au même titre que iOS. Parce que la base, c'est-à-dire que le Le temps. système. Non, parce que quand le système a été créé, à l'époque, il y avait des téléphones qui avaient des petites capacités. Donc, il n'y avait pas assez des smartphones comme ça avec assez de mémoire et tout. Donc, au départ, ils étaient créés pour des systèmes réduits, c'est-à-dire les capacités de calcul, les processeurs sont limités, la capacité mémoire limitée. Donc le système, il a été optimisé dès le départ pour ce qui fait que c'est pour cela que c'est toujours ça marche bien. OK? C'est clair? J'ai une question, monsieur. Oui? Est-ce que... Est-ce que j'ai pas entendu? Discuter, soit arrêter. Là, qu'est-ce que tu as sauté? Yassine, ah Et là, est-ce que vous comprenez? oui. Ouais. Est-ce qu'on peut déterminer le temps pour qu'une activité soit arrêtée ou bien quitte arrêtée définitivement? Bon, Comme par exemple dans les cookies, donc on peut définir là. un certain temps pour qu'il s'arrête. En fait, si tu veux rentrer dans les détails de l'administration de Android, tu peux toujours arriver jusque-là, mais généralement, c'est une affaire interne de Android. Parce que le framework Android, lui, de toute façon, lui, il va vous garantir que votre application fonctionne d'une manière performante. Donc, ce n'est pas à l'utilisateur de rentrer dans les détails. Ce n'est pas le programmeur ou bien l'application qui va rentrer dans les détails. C'est que il fait confiance au système Android pour lui fournir tout ce qu'il faut pour qu'il puisse fonctionner normalement. D'accord. Donc c'est pas comme les applications classiques web où pratiquement c'est à vous de gérer tout ça. Parce que maintenant c'est votre application, c'est le framework qui l'exécute. Alors rapidement un petit tour Ayoub. Ayoub c'est bon? La salle. Ayoub? Ayoub n'est pas là. Il est là? Ok. Ayoub al-Hadari, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'était clair, c'était Merci. parfait. Merci. Ayoub? Merci. Merci à vous. Fatima, Mistour? Oui, merci. Hiba? Hiba, est-ce que c'est clair? Oui, merci. Oui. Merci. Alors, Miami, c'est clair? C'est très clair, monsieur. Merci. Merci, merci. Alors, Miami. Miami, merci, oui, merci. Mamadou, tu n'as pas parlé aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Ah, c'est pas moi, Mamadou, c'est Mohamed. Oui, merci. Nisrine, Jabel. Oui, monsieur, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Rabia Habashi, est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, merci. Selma? Selma? Oui. Oui. Oui, Yacine? merci. Yacine, donc, en fait, Yacine, tu as deux, il y a deux Yacine ici, donc, un mobile et un. Et après, il y a Zohir. Une question, mais d'abord Zohir. Zohir, est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as réglé ton problème du code d'accès à Classroom? Oui, c'est bon. Alors, je reviens vers Alaaddin. Question? Oui, je sais pas si vous m'entendez. Oui, bien sûr. C'est toujours ces fichiers-là, puisque on les sauvegarde, ça veut dire que sont forcément exploitables.
Je parle en termes de sécurité, est-ce que c'est toujours Android qui gère ça? Oui. Alors, c'est tellement côté sécurité, ça c'est quelque chose de très très important dans Android, c'est qu'il n'y a aucune application qui a le droit de lire les fichiers créés par une autre application. Le système Windows ou Linux. C'est que dans le système, il est construit comme ça. C'est que quand une application y crée des fichiers, ben, le système Android, il vous garantit que ces fichiers-là, ça concerne que cette application. Il n'y a pas d'autre application qui peut accéder au contenu. Ça marche. Donc, ça, c'est très, très important parce que d'ailleurs, si c'est pas comme ça, c'est très grave. Parce que si le système Android ne garantit pas que les données d'une application sont sécurisées, ben ça va être catastrophique parce que vous installez une application dans votre smartphone, il va piquer l'autotoken d'une autre application pour faire autre chose. Il va vous prendre des fichiers temporaires pour aller faire des achats en ligne avec vos codes, etc. Non. Non, le système mobile, c'est ça, c'est il y a pas de doute, c'est que le Non, en framework fait, ce que je voulais dire par ma question, est-ce que c'est pareil à Spring quand il gère la sécurité ou bien s'il laisse le choix aux utilisateurs de gérer cet aspect de sécurité? non, en fait le framework Android, c'est un ensemble. Quand vous développez une application Android, vous créez que des petits composants, en fait. Mais après, vous faites confiance au système Android qui va gérer tout ce qui est la partie. Mais après, la sécurité d'accès à votre application, tout ce qui est l'authentification, bien sûr, c'est au niveau de votre application que vous allez faire ça. Ok, ça marche. Merci. Vous en prie. Alors, je connais où je n'ai été. Alors, merci. Voilà. Alors, donc, je crois qu'on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc, je vous laisse. Donc, il est 18h. Voilà. Donc, n'oubliez pas vos supports. N'oubliez pas, dès aujourd'hui, vous prenez les vidéos, vous commencez à installer vos outils. Et comme ça, la prochaine fois, on va essayer donc de. Alors, donc, aujourd'hui, donc, c'est un cours, fait mutualisé comme ça. Mais peut-être pour les semaines prochaines, donc c'est-à-dire chaque filière peut, ben, surtout pour les TP, tout ça, on va vous séparer. Mais en tout cas, donc pour la première partie, ça concerne tout le monde, donc c'est faisable. C'est bon? Merci, bon Voilà. week-end. Allez, voilà. Voilà, Slema. bon week-end. Et bonne santé, bon week-end. N'oubliez pas que demain, vous avez aussi des cours. Hein. Allez, bonne journée et bon courage. Vous pouvez vous déconnecter si vous voulez.